Salut à tous et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle tutoriel APK Note TV. Dans cette nouvelle tutoriel, nous allons voir comment faire un montage vidéo avec l'application InShot. Cette application, donc sans plus tarder, allons-y. Vous voyez, quand vous rentrez dans l'application, ça se présente ainsi. Donc, pour un montage vidéo, vous rentrez dans, vous cliquez ici, vidéo, vous faites new, vous voulez créer un nouveau montage vidéo, new, et vous cherchez la vidéo source. C'est-à-dire la vidéo que vous allez monter dans votre galerie. Alors, je vais prendre ceci, ceci et ceci. Je prends les trois. Ok. Et je valide avec ce bouton-là. Vous voyez, ça m'amène directement sur là où je vais monter tout avec tous les paramètres. Donc vous voyez ici, il y a la signature de InShot. Si vous voulez, vous pouvez le laisser. Si vous ne voulez pas, vous pouvez l'enlever en appuyant sur ça. Vous voyez, et puis vous faites free remove. En faisant free remove, vous allez enlever ça. Vous allez enlever le filigrane de InShot. Ça va disparaître. Vous voyez, c'est disparu. Donc maintenant, on va voir. Si vous faites appui long sur la vidéo, vous voyez, ça devient un petit porcelette, quelques en morceaux. Les trois vidéos que j'ai pris pour faire le montage. Donc, on va voir maintenant les paramètres à appliquer. Vous voyez, et le premier ici, le premier paramètre qui est ici, oui, ici là. Quand vous appuyez dessus, ça déduit le format de la vidéo que vous voulez faire. Format Instagram, vous voyez. Vous pouvez réduire et faire agrandir aussi. Ainsi, format YouTube, réduire ou agrandir. Vous voyez, vous pouvez faire des mouvements ainsi. Si c'est le format TikTok, vous voyez, il y a même les icônes. Format 3, 4, 4, 3, 2, vous voyez. Il y a aussi le format pour faire un film. C'est ça. Si vous voulez revenir au format normal d'enregistrement, il suffit d'appuyer ici. Vous voyez, c'est revenu. Ça, c'est le format de film. Un format de film, je prends lequel? Bon, je prends pour YouTube. Vous voyez, je prends pour YouTube. Maintenant, si vous le prenez comme ça, si vous appuyez sur le cocher un seul flèche ici, ça va se faire pour la seule vidéo que vous avez pris. Mais si vous le faites ici, ici sur les doubles crochets, ça va se faire pour toutes les vidéos que vous avez pris. Donc, ils vont prendre cette format, donc
J'appuie là-bas. Ok, vous voyez. Maintenant, par après, si votre vidéo, c'est... Vous voulez ajouter un son sur la vidéo, il suffit d'appuyer sur musique. Musique. En appuyant sur musique, InShot même dispose des effets. Effets ici. Donc, vous pouvez ajouter des effets. Mais il faut que vous soyez connecté. Connecté d'abord. Ici, c'est écrit record. Vous pouvez enregistrer votre voix sous la vidéo. Ensuite, ici, musique, la partie musique. Ça vous amène directement dans vos playlists musique. Vous-même, vous ajoutez un audio ou bien ce que vous voulez. En plus, ici, en appuyant sur la vidéo, vous pouvez réduire. Vous voyez que la vidéo même avait un son. Donc, vous pouvez réduire le volume de la vidéo. Ouais, ça peut aller. Vous pouvez amener ça à 0, ou bien à 200, ou bien à 100. Le normal, c'est à 100. Maintenant, vous appuyez ici pour valider. Ensuite, il y a sticker. Vous appuyez là-bas. Vous pouvez ajouter un sticker ou soit un texte que vous allez écrire. Voilà, texte que vous allez écrire. Maintenant, le texte, ça dépend. Si vous voulez que ça reste ici de 27 secondes point 1 à ici, vous le laissez. Ou soit vous pouvez réduire. Et autres, vous voyez, non? Si vous voulez effacer ça, il suffit d'appuyer sur l'icône poubelle, delete. Ensuite, il y a le texte même ici, vous voyez, non? C'est ça. Un autre para. Mettre filtre. Qu'est-ce qu'on y trouve là-bas? On appuie sur ça. Vous voyez, effet. Vous pouvez mettre des effets ici, filtrer. On appuie sur effet. On a différentes sortes d'effets. Regardez. Regardez la vidéo s'agrandit. Ici, la vidéo s'éloigne. Vous voyez, non? Des effets. Différentes sortes d'effets. Différentes sortes d'effets que vous pouvez mettre. Ouais, les effets aussi sont comme les textes. Vous pouvez agrandir et faire et autres. Maintenant, ici, pipe. Là, c'est écrit pipe. Ouais. En appuyant là-bas, ça vous redirige dans votre galerie. Ici, vous pouvez choisir une autre vidéo que vous voulez mettre sur les autres vidéos. Par exemple, vous voyez souvent les gens mettre et s'abonner et autres. Vous pouvez aussi le déposer sur les vidéos. Vous voyez, je l'ai déposé sur la vidéo d'avant.
ensuite ici pre-crop. Ici c'est pour couper la vidéo. Vous voyez non? Si je veux couper la vidéo et autre. Ici ça divise la vidéo en deux. L'icône là, même vous même vous le savez, delete sa poubelle et autres. Regardez ici aussi speed et animation. On prend speed, mais vous le savez, c'est d'augmenter la vitesse et de réduire la vitesse de la vidéo. Vous voyez là, ça se met à vite passer. En plus, vous voyez ici, on peut mettre des animations sur la vidéo. Vous voyez comment ça débute. Donc, c'est un peu tout ça là que j'aimerais vous montrer. On ne peut pas tout faire ici. Vous-même, en faisant la vidéo, vous pouvez découvrir plein de choses. Et aussi, n'oubliez pas de me laisser des questions en commentaire si vous avez des inquiétudes. Donc, à la fin de votre montage vidéo, regardez ici, Save. Ou bien, chez Dossier Enregistrement. En appuyant sur ça. Vous voyez, ça nous amène plusieurs formats. Quel format d'enregistrement on veut faire? Donc, vous voyez, format et résolution. Et puis, format MP4. Vous voyez. Donc, on appuie sur Save. Vous voyez, ça commence par s'enregistrer et on le laisse jusqu'à la fin. Donc à la fin de la vidéo, ça se présente ainsi. Vous appuyez sur Saved. Quand vous appuyez sur Save, ça vous envoie sur Save to. Vous voyez non? Donc ça veut dire que la vidéo est enregistrée sur votre téléphone. Si vous ne faites pas Saved, ça ne va pas s'enregistrer sur le téléphone. Donc, c'est tout. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez kiffé. Et à la prochaine. Bye bye.